אתה תסביר לנו את כל החדשות שאנחנו נראה. בשמחה. החדשות של השבוע שעבר. כן, הן לא חדשות טריות, אבל הן <laughs> <אין> חדשות. <laughs> בואו נתחיל. איציק פח דימוש. כן, יום ראשון. הקלות זמניות במערכת החינוך. כיתות ד' ילמדו מהיום ללא קפסולות. הפעילות בכיתות ז', י', יא', יב'. Bon là je parlais un peu l'hébreu correct, de Bechitot, mais non, on va voir tout ça. « Hakalot zmaniot donc ce sont des allégements provisoires. Temporaires, oui, cest de « zman ». Voilà. « Zmani »,« zmanit ».« Be-marechet achinur » dans le système éducatif. D'accord. « Marechet » c'est un système, ça peut être « Marechet be-marchev » comme. D'accord, je dis « Marechet abriyot ». D'accord, mais ça peut être aussi un vrai système, système informatique. D'accord. « Achinur » c'est l'éducation. « Léchaner » éduquer. Kitot Dalet. Ça c'est quoi Kitot Dalet Kitot Dalet c'est euh, Begil et Teisha. Il medud, me haïom. Donc, apprendront, étudieront, à partir d'aujourd'hui, il medud, c'est le verbe l'il mode. El mad, til mad, il mad. C'est en F'al. C'est une exception dans le groupe des parce ben... qu'il n'y a pas une note gutturale pour les élèves qui savent de quoi je parle. Exactement. Mais haïom, à partir d'aujourd'hui, les locs sans capsule, c'est un système en fait. Ouais, euh, de... qui y aura, Il y aura quelques élèves qui sont en présentiel et les autres ils sont en Zoom. Et le cours d'après, eux qui étaient en Zoom, ils sont en présentiel. et Les élèves qui étaient en présentiel, ils sont en Zoom. Bon, ben bah voilà, c'est spécial. Happy lout zain yud. On aurait dit bechitot. Alors en le bon modèle dit ouais. happy et L'activité dans les classes zain ayud et yud alef yud bet tourchav. Élargir l'activité sera élargie. Élargir, ça vient le mot rakhav, large. C'est le verbe lehachiv. Okay. Élargir. Lehachiv, c'est rakhav, c'est. Ouais. Rechov, ouais, le mot rechov, rechov vient de rachav ». parce qu'une rue, elle les est large. Exactement. Lehachiv, c'est du Il donc oukhav a été élargi, c'est au ouf al et au féminin futur toukhav. Ok. Et toukhav. Oukhav toukhav. Lundi. Yom Cheney. Takala <mys> Mistorit, Bamitkan, la Sharat, Ha Oranium, chez be, be Iran. Takala <mys> Mistorit, une, euh... une panne. panne. <mys Takala. <-tourit>. <mys <-tourit> Mystère. C est, c est... Mystérieuse. Tu sais que ça ressemble beaucoup. Je hein. <laughs> ne sais pas qui c'est qui a piqué, mais, mais je pense que c'est le français qui a piqué de la langue dont... Euh, oui, et je vais, on va le dire, parce que... Alors, Bamitkan, <mys -tourit> dans l'installation. Voilà. D'accord <mys -tourit> Leh Leha Sharat. Enrichir. C'est le mot ha c'est l'enrichissement. Voilà. Voilà. Auranium Haoran, 2 d'uranium. Ben Atnaz. C'est une, une ville. C'est une ville. C'est comme ça qu'on dit. Ben Atnaz, Chebeiran. Ben Paris, Chebe Tzarfat. Et Tel Aviv, Chebe Israël. Toulouse, Chebe Tzarfat. C'est comme ça. On ne dit pas B. On dit Chebe. Chebeiran. Takala. Une panne. D'accord Le Itakel. Être. Affronté. Euh, voilà, être confronté à. Le Itakel. B. Takala. Takala, c'est une panne. D'accord. Et Mistorit. Mystery, c'est mystérieux. Ça vient de mystor. Macron, mystor, ça vient de l'astir, caché mystor, un endroit est pour euh, se cacher. Ben oui. Esther, c'est un Esther, le prénom est ouais. Esther de la Megillah, parce que ouais. elle a caché sa judaïté. Ouais. Ça vient aussi de ça. L'astir donc ça veut dire cacher mystery, quelque chose qui est mystérieux. mystérieux. Mitkan, letaken, ça vient de letaken, Mitkan ça veut dire une, une installation, quelque chose, un dispositif. להעשרת, להעשיר. אורי שיר. להעשיר. עשיר. נכון. <שיר> אפשר להעשיר מילים בעברית, אפשר להעשיר אורניום. מה מרדי. יום שלישי. <שיר> מחר ב-11 תשמע צפירת דומייה בת שתי דקות, ויחלו טקסי הזיכרון בבתי העלמין ובאתרי הזיכרון. Demain, à 11h, Machar Be'achat Tishama, Tzfirat Dumia, sera entendu. Voilà, ça c'est le verbe l'Ishama. C'est le verbe l'Ishama. Il y a une chanson, un Te'lim. Odi Yishama Yehuda. Il sera entendu, Il chanson, Il sera entendu dans, les, dans, les, dans les rues de Juda. Tishama, okay. c'est le verbe. Donc c'est l'Ishmoi Onifal. Nishma. Tzfirat. Tzfirat. C'est le. Donc, okay. En fait, Tzfirat, on peut dire Tzfirat ou... Au... Et Az c'est la sirène. Oui. On peut dire les deux. Mmh. Et là, ça n'est pas construit, donc, une sirène de silence. Dumia, oui. c'est shaket. Dumia, c'est shaket, en fait. Okay. C'est le, le silence. Okay. C'est comme on dit, en mode d'homme. En okay. mode d'homme. Garde à vous. Lola voilà. Ça ne bouge pas. On dit aussi, le dome même est un mano. Arrêtez le moteur. Ouais, c'est ça, ça vient de là. Bat shte, d'accord. Alors, c'est comme ça qu'on dit. Euh, on aurait pu dire shel shte da dans le langage courant. En langage courant, on dit ouais. shel shte ouais. Mais en hébreu littéraire, on dit euh, de Dakar bat Shtei da Parce que c'est féminin, mais sinon si c'était masculin, on aurait dit ben. Ben, tout à fait. Bat Shtei da kot, vei C'est le verbe le Avec hey. Le hachel, vei Tiksei ha zikaron, bevate almin, ouvertarei ha zikaron, et commenceront. Les cérémonies du souvenir euh, dans les cimetières et dans les lieux de mémoire. Atar, ouais. c'est un Alors, site, comme un Attar, site internet, un site. mais c'est aussi un site euh, qu'on visite. Atar, Atarim, et au, au Smiroth, c'est Atarei. Okay. D'accord Les Achel. Okay. On, on dit souvent passer. Hechel. Et moi, Hechel, Tekes, euh, Azikaron. Voilà. À commencer. Euh, voilà. Itril. Itril. Mm. C'est un verbe du Ifil. Ça se dit pas du tout au niveau moderne. Ayom Mechel. Ça ne se dit pas. Machar ouais, euh, voilà. yachel. Voilà. Et yachel ou Tout à fait. Alors, Michel, même en hébreu moderne, ça ne se dit pas. Alors, ça ressemble... En hébreu littéraire, pardon. Ah, c'est la même construction que les haez ou les hagen. C'est un if-il euh, en e et pas en i. Les haez, mais les Israéliens disent « les haez. En plus. Tiksei, c'est tkassim »?« Tekes. Tekes. Une cérémonie. Tiksei. D'accord, c'est une cérémonie. Euh, on Elle à construire Bébateh Almine. Bébateh Kvarot. Tu dis Bébateh Kvarot ou Bébateh Almine Alors, en Lébon moderne, on dit Bébateh Kvarot. Ouais. On peut dire aussi Bébateh Almine en Lébon moderne, ouais. mais ça veut dire la même chose. Ouais. Que sur les panneaux, c'est Bébateh Almine. On peut le dire en Lébon moderne, Bébateh Almine aussi. Mais à l'oral, on dira plutôt Bébateh Kvarot. אני עושה את זה בבית קברות, זה מאוד פורק, בית קברות זה קבר סלאסיב, זה סלאטונבו, יום רביעי. ישראל מתייחדת היום עם זכרם של 23,928 חללי מערכות ישראל ו-4,176 Nifga'ei, Peoulot, Ha'eva. Oui, tu es obligé de mettre les chiffres au masculin. Okay. Parce que derrière, c'est Halalim okay. et c'est Nifga'ei. Nifga'ei et peulot. Israël, mitiachedet hayom, im, zikhram, shel. Bon, alors Israël, se recueille. recueillir. L'itiached, c'est véritablement biachad. Ouais. C'est... Mm. C'est comme si qu'on dit se recueillir, en fait. Okay. Mitiachedet, c'est-à-dire se mettre ensemble. Voilà. Okay. C'est le yachedet. pronominal de... Je ne sais pas comment dire en de français, c'est le pronominal. Hayom, okay. aujourd'hui. עם זיכרם, זכר שלהם, הזכר שלהם, זיכרם. כן. זה דיפי של, לה פה נושא. של? הלא. אבל אתה יודע, 23,900, 28 חללי מערכות. מערכות ישראל. חללים אלו חיילים שמתו במלחמה. חללים זה חיילים. כי מור. Marcheot Israël, c'est marchea, marchea au fêtem el khama. Les fronts qui sont morts au front en fait, oh. pendant les guerres, pendant les guerres, Pendant les guerres, OK. Et okay. dans les guerres d'Israël, et 4400, 4400 176, نفجائي بولوت ايفا, la terreur. Qui ont été touchés, 4176 qui ont été touchés par des actions de terreur. Eva. Eva c'est la haine. Hmm. Eva, c'est pas D'hostilité. C'est Sina. Ouais. Eva égale Sina. On est bon mmh. moderne, on dit Sina. Peula. Peula, Tout à l'heure, on a vu Peilout, une, une action de haine. Voilà. Peilout c'est une activité. Okay. Peula, une action. Okay. Ça vient du même, euh, de la même racine. Nifga-ei, nifgaim. Déjà, il y a le mot pigua et, qui se cache derrière. Un attentat, parce que c'est vient du verbe lifgoa, heurter. D'accord, lifgoa, heurter. Et l'hipaga, il y et a Et là, c'est le verbe l'hipaga. D'accord. Nifga. Nifgaou. Ah, Nifgaim. Nifga, c'est quelqu'un qui a été heurté, qui a été ouais. touché. Et là, c'est pluriel, elle est construit, mm. c'est nifgaei, poulot des actions, ha'iva, sin'a. Iva, c'est un mot fort. Hein. Très très fort. C'est chazak. Forte hostilité. Sin'a, hum. chazaka. Malveillance. On okay. C'est comme ça qu'ils disent en Israël. Ouais. C'est vraiment une formule déjà toute faite. On peut dire aussi terror. Ouais. Jeudi. Yom Hamishi. <tousse> יום עצמאות שמח. עצמאות זה גם דבר בלהיות עצמאי, אתחן דיפונדון. עצמאי. אה... סוסי אתחן דיפונדון, אה דיפונדון. אה, סולמו. אוטונום. אוטונום. סוסי את אה דיפונדון, חווי פרופסור ליברל. עוזי, עצמאי, זה Atmaut, donc l'indépendance. Alors on ne dit pas, pas Yom Ha Atmaut, on dit Yom Atmaut, sa vu... C'est le petit piège. Ouais. J'ai vu cette faute euh, souvent, ouais. là récemment. On, on serait tenté de dire Yom Ha Atmaut, parce qu'on a l'impression que Yom Ha c'est une formule toute faite. Ouais. Mais quand on dit, par exemple, on ne dit pas Hag Ha Pessar, sa on dit Hag Pessar, sa mère, Hag Hanouka, sa Hag Purim, sa Hag Atmaut, sa J'ai vu la bénédiction pour la première fois dans l'histoire de la. L'ambassade des Amira des Amira Unis en, en Israël et il a écrit euh, Yom HaAtzmo Tzamer. <laughs> bon, Mais ils ont des mauvais conseillers. C'est déjà mieux que rien. C'est mieux. C'est déjà extraordinaire. Bien sûr. Vendredi. Yom Shishi. Matzavo » shel Nacha Tzahal, shehitziet HaAtzmo mul haMizradim shel Mizrad haBitachon Anush. Alors Matzavo » shel Nache tzahal amatzav shelo. D'accord shel, c'est en hébreu littéraire pour dire l'état, la, la situation d'un handicapé. En fait, et tzahal, c'est des, des soldats. Invalide. Les invalides. de, invalide. de tzahal. Ça peut être aussi psychique mmh. comme physique. ça veut dire handicapé et invalide. Les Israéliens disent nache, c'est faux. Normalement, le vrai, le correct, c'est nache. Donc, shel tzahal de tzahal, shei itzit. « et atmo » qui s'est immolé par le feu, non, on dit en, en français. C'est l'équivalent de « saraf et atmo ». Voilà, « lé c'est comme « metzit » américain. Lé atzit, ça veut dire mettre le feu. Ok. tout à fait. « la atzit esh » Si je sigaria, une cigarette à Bayard, je vais l'atzit esh. « atzit » ça veut dire allumer un feu. Okay. « Lé avir » ça veut dire vraiment beaucoup incendier. « Sheitzit et atmo » lui-même, « mou la misradim shel misrad habita Alors, il y a « misradim » et « misrad ». משרדים, זה לא בירו, זה בירו, זה מיניסטר, זה מיניסטר, דה לדיפרנס, אנוש, דזנתה קריטיקה. כן. טרי גרוב, קריטיקה, יאוסי לדבר באנושות. נכון. כי אופט, לאג'יקטיב הוא... פצוע אנושות, או פצוע אנוש, זה עצוב מאוד הכותרת הזאת. נכון. איציק, רציתי לסיים בנימה אופטימית. נכון, גם אני. ביום ראשון אין חובה לעטות מסכות À partir de dimanche, introit, il n'y a pas d'obligation la atot. Voilà. Mais Il faut savoir que pour hébreu, pour chaque chose qu'il y a dans le corps, il y a un verbe spécifique. Alors, vous en français, il y a qui porter Alors, tout ce qui est sur la tête, il y a un verbe. Tout ce qui est, enfin, les, les lunettes, il y a un verbe. Pour les chaussettes, il y a un verbe. Et pour la cravate, il y a un verbe. Pour un bracelet, pour un bracelet, il y a un verbe. Donc pour la, le masque aussi il y a un verbe. Mais les Israéliens disent ani lovesh maserha. Mais Ils disent aussi ani chovesh masercha. Ani chovesh masercha, cest sur la tête. Ani chovesh. Non parce que c'est sur la tête. Alors on pensait que c'est. C'est là qu'ils disent ani chovesh. C'est faux. Ouais. C'est faux. Il, il veut me dire ani lovesh ouais. ou ani sam, que dire ani chovesh. Parce que chovesh c'est vraiment à la roche. Mais sinon on dit ani oté. Ani oté masercha, c'est l'attot masercha. Ani oté. Il y a très très très, très peu d'Israéliens qui le disent, mais bon. Voilà, ça c'est le vrai. Il n'y a pas d'obligation de porter des masques. Chetar, c'est un, un, euh, terrain. un terrain euh, ouvert. ouvert. Donc ça veut dire en plein air. En plein air. Voilà, donc fait. la tot, euh, la tot aussi. La tot en général, c'est sur le dos. La tot glima. Okay. Porter une cape. On peut toujours s'inscrire euh, pour euh, les cours intensifs de juillet qui arrivent à grands pas. On t'appelle Tout à fait. Ou euh, dialogue.fr, sur le site. Et si vous voulez regarder l'historique des actualités que nous diffusons régulièrement, ça se passe sur un cours .com. Les d'hébreu.com Bye bye.